civilacayhaiti.com yo. Encore une fois, nous comptons avec vous dans une nouvelle vidéo ça, mesdames et messieurs. Et nous profiter de remercier toutes les amis nous, compatriotes nous, quel que soit côté où yé, et quel que soit tout acteur qui est disponible pour assister vidéo ça. Et bien, nous bienvenue la caillou. Râle t-shirts baouan, râle mouchoir, marre ventou, parce que vidéo ça, nous portons pour là, son vidéo qui vraiment triste, mesdames et messieurs, après tout ça, bandit fin fait. Et donc nan titan hein, et c'est pas des moun qui ont même pas perdu la vie en bas coup de zam bandi, gen moun yo coupé tête, yo boulé yo tout vivant, et gen moun tout que yo boulé kayo ak tout moun ki an dan yo. Baga la grave mesdames et messieurs, n'ap di ou nan moment nou rive la Haïti vin tourner, et donc yon pays cannibale seulement. Nou ta di k'ap vive la dan tellement bandi yo en pile, non seulement yo en pile, yo criminel, yo méchant, yo pa gen cœur, yo fait tout crime pour sentir bien. Et nous avons l'État tout qui a même pris responsabilité pour retirer peuple là en bas mais assassin bandit ça yo. Et nous connaissons notre tête pouvoir en pile nèg qui a même c'est des nèg qui pas droit, nous pas besoin de dire comment et bien bandit même senti à l'aise les que il a retiré la vie peuple là comme ça sans raison. Les pas kidnappé yo, c'est tuer yo, la gueule sous pile fatra ou bien mettre caoutchouc sur yo bouler yo. Baga la grave. Non, sous ce mat là même, c'est pas deux, trois moun qui pas mourir. C'est massacre sous massacre. Bandi frappé. Il a dit bandi frappé. Baga la grave, mesdames et messieurs. Léon Charles nous connaît, ancien DGPNH là. Dans le moment on a parlé là, baga yon semble pas douce même pour ti Léon. Parce que en pile dossier commence à parler là. Et dans le moment on a parlé là, donc dossier assassinat Jovenel là. Eh bien, doit commencer longer bien long dans Figi Léon Charles depuis quelques jours là. Et monsieur qui a un pile problème, bagaille grave. Majorie Michel, qui c'est Saint André Michel, qui c'est même moun pouvoir Ariel yo, eh bien, qui lui même prend un gros honte, déception totale. Eh bien, quand il t'a voyagé, sortant de Alal, il a fini chita en dans avion. Eh bien, il a retiré Bounda Manze et mettel à terre. Et c'est un gros honte. André Michel, gen problème. Majorie Michel, gen problème. Nenel Kasi, bagayo grave. En tout cas, nous pote tout détail pour vous. En dans vidéo ça, même rete connecté sous vidéo. Bon écoute tout le monde. N'ap tourne. Merci à Dominique en Haïti. N'ap doukuse. Yon massacre qui fait aérosoir, bien au niveau de zone titanien, côté que bandit armé yon arrivé. Et tout y est plusieurs monde, c'est criminalité, il y a plusieurs personnes tuées et puis des maisons incendiées par des bandits dans la zone cabaret. Et bien, bandits eux-mêmes, ils ont étape ferme et la loi et hier soir. Et côté que il y a plusieurs monde qui arrivent mourir, quand on est. Et bien, dans du fait, si vous regardez l'image, il y a une fusillade qui produit à ce matin, 9e section et commune cabaret dans la nuit 29 pour l'ouvrir 30 novembre 2022. Plusieurs personnes ont été tuées et pendant tuerie ça, eh bien, malfrayo qui était également incendié plusieurs maisons. Aucun bilan n'est encore et disponible et sous situation qui était très tendue. Eh bien, résidents et mounsayo qui continuaient à fuir. Eh bien, la fuite des gangs armés. Eh bien, yo font appel désespérément avec autorité étatique yo et qui eux même qui pas montré que yo gen rien qui intéresse yo. Eh bien, la situation et qui gen au niveau du pays. Eh bien, Jean que Nabdoulé hier soir c'était un pile réel, un pile moun qui arrivait et perdu et famille, et bien au niveau de et zone et cabaret, et bien Nabdou, la minute que n'a parlé là, au gagné et en pile monde qui yo même yo obligé quitter zone là parce que bandi yo a fait et la loi yo touye et mais c'est un gros massacre qui fait à au soir dans ce matin là et côté que bandi yo arrivé touye monde yo boulé et puis en équipe moun ki mouri, et bien yo boule yon quantité kay avec tout moun la dan yo. Et bien, et gen yon vidéo avec toute photo qui très choquant. Ah oui. Et bien, bagay sa lem grave net, kote ke moun yo obligé et paka et lage pou kont yo. Et bien, nan sous mat la, bandit titanien kote chef gang Bogi li yon ap dirije yo sensé envahir et population, et bien, au niveau de zone sa. Et bien, an fon ti gade image, ben nou pa gade vidéo kote ke très choquant, kote ke moun yo arrive perdu la vie yo, aller qui a entré la caillou et a pris repos, et bien c'est bandit qui a attaqué. Et mes amis, blanc, communauté internationale, mes amis,
peuple a commencé à bouquer avec nous tout. Parce que nous, allez nous dire que nous sommes venus pour nous capables de venir pour ton support ensemble avec le peuple haïtien. Je dis à nous, c'est ça privé, nous, c'est bandits. Qui côté des amis au passé, c'est dans le grand pays au passé parce que bandits sont à l'aise. Bandits, il faut que nous disions que bandits, c'est Florida au bois. Eh bien, il faut suspendre à acheter Florida parce que c'est Florida qui permet que nous ne soyons pas. Il y a 100 fois ni loi côté que nous ne soyons pas. Qui est Florida, après d'elle, pour le monde qui va comprendre, qui est fait les produits et pour nous capables de nous nous parler de Florida, qui boisson ça? Bon, Florida, c'est avec le compte fait by magie. Eh bien, c'est lui-même, monsieur Oboué. Égal, l'eau, Oboué, ça lui-même. Ou par contre, maman, bon, papa, bon, petit, t'as dit que, ou presque, même, j'avais Ariel. Moi, j'ai demandé, est-ce que Ariel, c'est pas Florida? Et l'Iboué, parce que l'Iboué, il connaît si mon ap vivre, si mon ap mourir, mais qu'on s'a bandit et tout. Bandit, pas besoin qu'on ait si mon ap vivre, si mon ap mourir, ça dit que ça a fait dans la tête, tu vois. C'est lui-même, et bien, c'est à cause de Florida. Eh bien, parce que, faut que l'autorité aussi, autorité pas de Florida, et bien, faut essayer de suspendre et bagay ça pour ne pas rentrer dans le pays parce que c'est l'homme qui va être que monsieur excité, monsieur sans foi ni loi, et bien, côté que même yo, à part tout le monde, et bien, gens que nous doulons, c'est violence armée, des bandits font couler du sang à cabaret, ça passait hier soir. Oui, n'a pas gardé image, et puis c'est sûr, certain, nous capables de comprendre, mesdames, messieurs, nous essayons de mettre image plus ou moins qui est acceptable que nous capables de montrer pour nous, mais nous demandons de grâce. Pas partager gens des photos ça sur réseaux sociaux sur Facebook et ainsi de suite pareil très grave d'ailleurs nous qu'on habite ouais gens des images ça même pour petit tout petit monde qui va jouer dans téléphone yo éviter passer et montrer image yo parce que ayo choc très choc et c'est une raison qui fait que nous même nous simplement montre petit parti ça côté quelques cailles qui brûlé mais des bagailles beaucoup plus graves que nous t'es capable comprendre j'en nous dit là ouais oui frère pas. Oui, n'a pas continué avec l'information, yo. Eh bien, nous pouvons aller sous attaque, que bandit t'es manqué de touiller, petit maître Renaud George. Eh bien, maître Renaud George qui identifié agressé petit Lio. Et puis, il exigeait pour capable de voir mandat. Eh bien, dans un message vocal, eh bien, l'homme de loi Renaud George dit très agité, il exigeait directeur général police nationale là pour capable et renvoyer immédiatement un policier qui était agressé petit Lio, qui est Sarah Hélène George lundi. Eh bien, monsieur dit, c'est policier qui a attaqué Petite Lia. En effet, selon M. George, les agresseurs sont des policiers affectés à la direction départementale de l'Ouest DDO. Mais le responsable, eh bien, il a déjà confirmé que c'est eux-mêmes réellement policiers et DDO. Et puis, il exigeait commandant en chef police nationale pour qu'il sanctionne et renvoyer les policiers. Eh bien, à sa sortie de l'Académie nationale de police, Sarah Hélène George a été prise pour cible par des policiers. Ils ont frappé très fort son véhicule et pointé les armes sur ma fille et voulant s'échapper, eh bien, les policiers ont tiré plusieurs coups. Elle a été touchée ainsi que la personne qui l'accompagnait, explique Maître Renaud George. Eh bien, il confirme que état santé petite Lia, eh bien, il est pas stable ainsi que individu qui était accompagné là au moment de l'attaque. Maître Renaud George croit que ces hommes n'ont pas fait l'Académie nationale de police, sinon ils seront, eh bien, que l'utilisation de l'âme à feu est leur dernier recours. Eh bien, Jean que Renaud Georges même dit, eh bien, ces policiers, une moto, c'est eux-mêmes qui étaient arrivés à attaquer Petite. Par contre, nous avons pile ainsi de cas privés dans le pays. C'est même policiers, parce que policiers, nous connaissons qu'actuellement la police, ils ont un gang, et les policiers, ils ont même toute malversation qui est. N'a pas fait quitter le dossier, ça a toujours prêté le même cas de crime, c'est assassinat Jovenel Moïse. Ma piste montre nos images à communiquer que nous avons à peine recevoir après d'elle. Bouteille Florida, c'est bon, j'en nous dis là, c'est bouteille ça. Et ben, monsieur, ça, c'est bouteille souvent, mon nous fait bah, j'y en tout. Donc, même, il y a cherché protection, il y a fait tout bah avec lui. C'est bouteille ça, on a regardé là. Bouteille Florida. Oui, nous pouvons aller dans le cas d'assassinat Jovenel Moïse et mes séances de confrontation entre Léon Charles, Dimitri Ira et Jean. La guerre civile, et bien, dans le cas d'assassinat ancien président Jovenel Moïse, une séance de confrontation est faite mardi 29 novembre 2022 entre ancien directeur général police nationale, là, M. Léon Charles, ancien coordonnateur unité de sécurité générale du palais national, Dimitri Ira, et ancien coordonnateur du palais national, Jean. La guerre civile, et bien, séance acte bien déroulé de la vie des avocats des accusés. Eh bien, et côté que il dit, la date 29 novembre, eh bien, juge instruction en charge dossier assassinat président Jovenel Moïse, M. Walter Wisser Voltaire, qui lui-même qui était organisé lui, et mardi 29 novembre 2022, en séance de confrontation entre trois anciens hauts cadres de la police nationale. Il s'agit de l'ex-directeur général de la police nationale d'Haïti, Léon Charles, l'ex-coordonnateur de l'unité de sécurité générale du palais national, Dimitri Ira, et l'ancien coordonnateur
du Palais national Jean Laguèle Civil, selon maître Augustin Jean-Michel du cabinet Georges, avocat de Jean Laguèle Civil. Eh bien, il dit que séance là est bien déroulée et client là te répond avec toute question juge instruction. Il dit attendre les autres phases de la procédure. Il faut souligner que l'ancien DG de la PNH, Léon Charles, est sur sa troisième comparution au cabinet d'instruction. Mais dans le cadre de ce dossier, le président Jovenel Moïse avait été assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 en sa résidence privée à Pèlerin-5, Pétionville, par un commandement en commando et qui dégaine plus passé aux quarantaines de personnes dont les mercenaires colombiens ont été arrêtés pour leur implication présumée dans ce meurtre. En Algérie, anti-vidéo, et bien vidéo ça peut permettre que nous capables approfondir nous, et bien dans le même cadre dossier et côté que nous connaît que et juge à l'unité font gros causer de la côté que fait monsieur était confronté une avec l'autre, et bien pour capable de joindre indice. Oui, n'a pas. Nous barrons pas bien. Comment ça t'est? Une audition normale. Est-ce que la vie pourrait retourner encore côté juge là? Une audition normale. On est à la disposition du magistrat. Est-ce qu'on est satisfait? Est-ce que le juge a satisfait de l'audition? Bon, ça m'a l'air d'être jugé. Qui pourrait retourner encore? À qui tu as une information ou bien comment? Témoin. Témoin. Est-ce que vous êtes quoi que je vais mieux arriver de justice? Je l'espère. Ok. Mais le juge a juge devant le juge là encore? On attend on est à la disposition du juge. Autant de fois, combien de fois, aussi longtemps. Comme ça, on est de suite. Comme ça, toi, avant, là, au début, est-ce que ça voulait dire que c'est satisfait, juge, pas satisfait. C'est un dossier complexe. L'autre complexe, comme le dit, nous va comprendre. Non, pas de plus. Voilà, j'espère quand Jean le dit, j'espère que le président a une justice. Bradel, c'est qu'on y a vidéo à peine fini, nous pas attendre ce qu'on a dit avant et qu'on y a vidéo à fini. Oui, Bradel. Oui, n'a avancé dans le cadre information yo, et bien n'a de que et bien au niveau de et PIA et nous connaît que gagné en pile monde qui a suivi nous là côté que gagné et gros match football qui a joué parce que pendant que n'a parlé faut que nous et Dimonio gagne équipe Argentine qui a joué avec Pologne et un match qui a poursuivre là c'est 2-0 2 goals à 0 pour équipe Argentine et bien pas de compte si Argentine des plein fanatique concernant moi c'est en pile réel qui gagne n'a avancé dans cadre information et qui censé a dominer actualité à et bien au niveau de et pays d'Haïti pendant que nous étions dans le football, et bien, matin, pendant que en pile monde, même étape suivre et Coupe du Monde là, et bien, n'a donc gagné en information que c'est Verticast qui exigeait 2,5 millions de dollars et américains, sinon, signal, et bien, Coupe du Monde là sur Haïti, l'étape interrompue. Et bien, trois Haïtiens qui demandaient avec compagnie Verticast de pour être capable de couper signal Coupe du Monde là sur Haïti a rapporté et GAM, FM, et bien Verticast qui exigeait 2,5 millions de dollars américains, même si FIFA li bali gratis, mais signal là lui-même qui pourrait aller à Haïti, et bien il pourrait être éteint dès ce matin, et bien si le montant exigé n'est pas honoré, et bien Nabdoke, ça lui-même était une fait en pile par l'empile, et bien la FIFA lui-même lui offre non et signal là gratuitement à Haïti, mais Verticast lui-même qui c'est compagnie qui a fourni signal dans la région, lui réclamait et 2,5 millions de pompiers en Haïti côté pas gagné et pompiers et bien ces populations qui prend et bouquet et côté que yo a et voyer de l'eau et bien pour eux même yo éteint du feu dans minute ça tout n'a pas que dans zone Delma et 19 tours dans zone cité 4 route et bien au niveau de zone et Delma 19 cité 4 route aéroport et bien gagne un caï qui te gagne yon gasoline là-dedans et bien il prend du feu il y a un petit bébé qui perdit la ville et puis selon quelques témoins gagne et plus un grand monde et bien garçon qui a reboulé et met assemblé lui entre la vie et la mort selon des informations nous gagne et bien Nando au niveau du pays d'Haïti jeudi a en dedans caï monde c'est là que yo c'est gaz pour ça parce que dans gaz là yo a pressé et fait l'argent et sous et d'eau et population et bien mon yo Gaza vient tout non chouchou pour vous c'est en bas cabane qui au con arrivé mais qu'il dormit et bien Jean que Noéli verrait du feu et bien même au niveau de capitale là il y a et du feu tout et au niveau de zone Delma 19. Marquis de dossier ça nous allons aller dans le cadre d'un compte
poutine qui était effectué dans Delma 33, une brigade de lutte contre le vol de véhicules, BLVV, et bien, une entité de la DCPJ, y a procédé journée mardi 29 novembre 2022 à interpellation dénommée Jérôme et Josu Isaac, qui est Valise Pierre Venel, qui sont déportés et qui sont dans le pays Canada, et puis Petit Peter et Clivent pour détention illégale d'armes à feu. Et bien, pendant opération, il y a deux véhicules suspects qui ont circulé avec individus sérieux qui étaient confisqués. Et bien, côté que et DCPJ lui-même lui a approfondi enquête lui. Et bien, matériel qui était arrivé pour sous individus sérieux et Jacques Napgadé, et individu sa yo, et bien, te jouen yon Toyota Prado de couleur blanche, immatriculé AA56-123, gen yon Toyota Pickup Hilux de couleur blanche, immatriculé AA58-078, et ça, ou jouen encore, un pistolet de Maclock de calibre 40 de série TCZ-768 et 3 chargé bien garni, ainsi, après audition et individu sa yo, yo te arrivé interpellé yo, et bien, yon procédé judiciaire pour détention illégale d'âme à feu qui ouvert au niveau de DCPJ, je que n'a gardé pour monsieur sa yo. Information qui s'en est un peu de l'actualité, et bien, en attendant, côté que nous et apprendre au niveau de Saint-Domingue, et bien, gagné au niveau de diplomatie, yon consulat étrangers dans le pays d'Haïti ont récolté plus de 64 millions de dollars et de 2015 à 2022 uniquement pour accorder visa. Eh bien, j'ai que et tout le monde connaît, c'est au niveau de Saint-Domingue. Eh bien, avec que et pas bon ici, tu as fait un pile d'argent côté que ils ont joint de 2015 à 2022. Eh bien, ils ont bâillé plus passé 64 millions de dollars US ensemble avec. Et me saluer Affaire Bon TV, Captain Lemar, me saluer Jimmy. Jimmy, vous connaissez Affaire pas mouiller. Et la son Captain Lemar, Jimmy, on se bagaille. Vous connaissez ou pas plagué. Et pas plagué, moi, ou mon madame Pénin sur le terrain. Et moi, je me salue tout le pays, Captain Lemar, c'est pas la son qui a parlé là. Affaire Bagadi, c'est le même là, qui a frappé là. Et côté Dominique, qui a appelé transmettre Haïtien Haïti. Parce que le pays n'est pas bon. Et pourquoi pour le président de ce domaine, pour le transfert haïtien, le bon. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Même si la transfert haïtien vient d'Haïti, et qu'on s'en a trouvé la transfert et ce domaine vient à ce domaine. Nous allons là, nous voulons parler là. Nous voulons nous demander pour que les haïtiens passent 20 ans de l'Ariel là. Chacun de l'Ariel là, comme il n'y a pas en quel bagaille pour haïtien, il va demander le président. Et ce domaine là pour taquer les haïtiens, il y a pour traiter les haïtiens comme patras, il y a traiter les haïtiens comme labou, il y a mettre les haïtiens dans caloche, qui va passer bête. Nous pas d'accord bagaille pour ça. Nous pas d'accord bagaille pour ça pour le président américain, qui va mettre bagaille. Jimmy, nous connaissons un pays, pas bon. Nous même haïtiens, nous même Haïti, nous ne faisons rien là. Pourquoi nous ne faisons rien? Parce que chaque jour nous levons, c'est dimanche lié pour nous. Parce que pas de travail dans le pays a fermé. Chpatra relé Ariel là, l'école là, il va qu'à faire fonctionner ici. Il va qu'à faire fonctionner ici. Et comment comprend la convocation de Léon Charles? Léon Charles, il a fait trois fois, là, il a traîné devant Ariel Dubon. Et vous le frère là, juste là, Michel, il a mis. Juste ça, il a fait travail, ça a fait travail à la normale. Ariel a dépensé le téléphone pour le président Jovenel, il est parti aller aux États-Unis, il est allé dans les Nations Unies. Là, il passe bien. Il dépense, il passe bien. Il va qu'à passer bien. Pas qu'à vous consacrer, on est comme un juge là. D'accord pour payer avec vous. Le monde entier avec vous. Pays d'Haïti avec vous. Le monde là, tout le monde entier. Le monde entier, c'est avec vous. C'est tout qui est vacabon là. Pour voir le côté de Dimitri Ariel. Vous la pénibilité. Parce que pas qu'à vous consacrer les Ariel là et tirer les longs chats là. Ou comme vous, il a longtemps le président Jovenel. Laisse-moi longtemps, il doit prendre. Il te perd. Il te paie parce qu'il te connaît pas pour cap là, pas pour cap là, t'as tout le quand même, t'as même côté avec le président. Comme il va tout le monde, il te plus sécurité de l'aile, et puis la police met balle à terre, il te connaît pas avec le criminel là. Et moi, mais juste ça, t'as fait travailler ça. Léon Charles, maintenant tu ne conseilles que Léon Charles, il a un pays là, dans le frère de la police ancienne, directeur de la police là, comme le sergent, pas directeur de la police, directeur de gang,
il va même j'avais gang barrel lui avec Martelly, il trouve le président au journal, il passe dans le. Jamais moi, juge là. Bravo vous. Juge là, bravo vous parce que pas comme ça. Vous comme entraîner là, faut marrer quand même parce que c'est pas comme ça.